Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors cette fois, je vous propose un jeu des mathématiques. Oui, jouons au jeu. Je vous propose cette fois les compléments addis. C'est-à-dire, je fais la somme. Je vous donne un exemple. Bon, on a 10. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour avoir 10? 10 plus, oui, 0, c'est très bien. Un autre exemple. Bon, pour faciliter la tâche, tout d'abord, j'utilise les doigts de la main. Bon, j'ai 1 et je complète jusqu'à 10. C'est ce qu'on appelle les compléments de 10. Je cherche les compléments de 10. C'est-à-dire un nombre qu'on doit ajouter ici pour avoir 10. Bon, on a 1. Voilà, j'utilise les doigts de la main d'abord. 1, 2, 3, 4, 1, j'ai 1. Bon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. C'est, je vois 9 doigts, c'est-à-dire 9. Voilà, c'est la même chose. Je possède 3, j'ai 3 et je complète jusqu'à 10. Je cherche un complément. Je cherche un complément. Bon, voilà, 3, j'ai 3. Bon, je commence par 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, qu'est-ce que je vois? Je vois 9 et 10. Ah bon, je vois 7 doigts. C'est 7. Ah, c'est facile, c'est 10. Ah, 4. Je possède 4. Et je complémente. Et je complète, pardon. Et je complète jusqu'à 10. C'est-à-dire, je cherche un complément. Bon, je commence par 5. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, je vois 6 doigts. Alors, j'utilise 6. Bon, 5 plus 5 égale toujours 10. 3. Je possède 3. C'est-à-dire, j'ai 3. Bon, dans la tête. J'ai 3 dans la tête. Et je commence à compter jusqu'à 10. Bon, je commence par 4. Voilà, 4. Jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est-à-dire, 6 doigts. Oh, c'est faux! Qu'est-ce que je fais, moi? Oh, je recommence. Bon, j'ai dans la tête 3 et je complète jusqu'à 10. Je commence par 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est-à-dire 6 ou 7. Ah, c'est 7. Oh. Voilà, c'est 0. 6. J'ai dans la tête 6 et je commence à partir de 7. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 9 et 10. Ah, c'est-à-dire 4. Bon. Alors, c'est toujours 4. 2. Bon. J'ai dans la tête 2. Et je complète jusqu'à 10. Maintenant, je n'utilise pas les doigts. Je mémorise. Voilà, c'est une autre façon de faire la somme. Bon, 2. Voilà. 2. Je commence par 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que c'est 7 ou 8? Hein? 7 ou 8? Bon, je recommence. Je commence à partir de 3 jusqu'à 10. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est 7 ou 8? Je me trompe toujours. Alors, je dois faire attention la prochaine fois. Voilà. Je recommence. J'ai 2 dans la tête. Et je commence à partir de 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Bon, c'est facile, c'est 8. Ah, c'est facile, c'est 10, ça. Ah, c'est vraiment facile, parce que le nombre est un peu près de 10. Bon, le complément est près de 10. 7, j'ai 7 dans la tête et je continue jusqu'à 10. À partir de 8. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. C'est déjà 3. Oh, c'est facile. 1. C'est toujours un. Ah, c'est trois.
Voilà, je comprends maintenant. Je comprends maintenant les choses. C'est vraiment facile maintenant. Parce que j'ai fait tout d'abord un effort de mémorisation. Voilà, c'est facile. Bravo. Je recommence avec une grande vitesse maintenant. C'est facile. C'est 4. C'est 10. Très bien. C'est 10 toujours. Très bien. C'est 6. Oui. C'est 2. Bravo. C'est 3. Bravo. Je mémorise, je suis un grand mathématicien, je suis une grande mathématicienne, je parle aux filles bien sûr. 7, voilà, 4, c'est facile maintenant, c'est 0, puisque c'est rien, 0 ça veut dire rien. 1, c'est bien, je compte et en même temps je complète. 5, je cherche les compléments. C'est bien sûr, c'est 5. 8, c'est facile maintenant de trouver les compléments de 10. C'est 9. C'est plus vite maintenant, plus vite. 0, oui. 1, 2, oui. C'est facile maintenant. Ce sera donc très facile. 6, attention de tomber dans l'erreur. Ou de commettre des fautes. 5. Ça veut dire de se tromper. Oui, il reste quelques points pour gagner le jeu. 9. C'est bien. Il reste 3 points pour gagner le jeu. Ah oui. C'est 7. 7. Je cherche 7. Voilà. C'est 1. 1, ça va donc facile. C'est le dernier résultat. C'est 3. Bravo tout le monde! Bravo, vraiment, vous étiez génial. Bon, c'est super. Ah, c'est pas la peine de recommencer. Ah, on va faire quelques exemples, seulement ça. Bon, 5, 7, dernier exemple, 8. Voilà, c'est facile maintenant de faire des calculs. Bon, je vous laisse maintenant. À la prochaine.